Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous pour répondre à des questions assez nombreuses qui me sont parvenues émanant de pas mal d'internautes qui m'interrogent sur le pacte de Marrakech de l'Organisation des Nations Unies qui doit être signé à Marrakech le 11 décembre prochain. Ce pacte concerne un pacte sur les migrations au niveau international et suscite beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de rumeurs. Alors on m'a demandé quel était mon avis. J'ai regardé cette affaire avec à l'esprit ce que l'on appelle le tamis socratique du philosophe grec Socrate, qui, sur tous les sujets, interrompait son interlocuteur en lui demandant « Est-ce que ce que tu me dis est vrai ?» Deuxièmement, « Est-ce que c'est utile ?» Troisièmement, « Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bon ?» On va regarder ce pacte ensemble. Ce pacte de l'ONU sur les migrations s'appelle le pacte sur les migrations internationales, c'est les migrations sûres, ordonnées et régulières. C'est assez étrange. Certes, ce pacte n'est pas d'application obligatoire, c'est ce qui est mis ultérieurement. Mais si ça n'est pas d'application obligatoire, à quoi sert-il ? Ça n'est pas vrai qu'un document international, c'est un traité, que ça s'appelle pacte, que ça s'appelle constitution européenne, traité, etc. Dans tous les cas de figure, ce sont des traités internationaux qui lient les États qui les signent puis qui les ratifient. Donc, on ne peut pas dire que le pacte est d'application facultative, puisqu'on va le signer et le ratifier. Ça veut donc dire que même si un certain nombre de ces dispositions sont facultatives, il n'empêche qu'il pose un certain nombre de principes généraux qui vont ensuite servir de référence pour l'avenir. Le premier principe général qui est posé par ce pacte, c'est qu'il s'agirait de régler des migrations sûres, très bien, ordonnées. C'est déjà plus contestable parce qu'on a l'impression qu'il y aurait un ordre derrière, donc une organisation. Et régulière, c'est-à-dire qu'il y aurait une organisation qui régulièrement organiserait des migrations. Ça pose quand même un problème. Ce qui est véhiculé par ce texte, c'est l'idée selon laquelle, eh bien, au XXIe siècle, il y a nécessairement des migrations de populations qui doivent être ordonnées et régulières. Quand on examine le dossier un petit peu, qui fait une quarantaine de pages, je ne vais pas lire ici tout ce dossier, tout ce pacte que j'ai lu de près. On voit notamment, par exemple, cette formule, je la cite de mémoire, « À l'heure de la mondialisation, les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable ». Ce sont des affirmations qui sont peut-être possibles, mais qui sont peut-être aussi contestables.
dire qu'à l'heure de la mondialisation, on voit bien que ce texte s'inscrit dans un contexte géopolitique et économique particulier, dire que les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable, ça reste à démontrer. On pourrait dire tout le contraire. On pourrait dire par exemple que les migrations sont facteurs de prospérité, mais pour qui ? Lorsqu'il y a eu 1 million de migrants qui sont arrivés en Allemagne, eh bien ça a été certainement facteur de prospérité pour les actionnaires des grandes entreprises qui ont pu utiliser une main-d'œuvre à des taux extrêmement bas, quand d'ailleurs cette main-d'œuvre n'était pas utilisée purement et simplement dans du travail au noir, sans charge et sans cotisation sociale. Mais ça, c'est la prospérité des actionnaires. Ça n'est pas la prospérité des salariés allemands qui, eux, voient plutôt leur salaire plonger. Quand on dit que, par exemple, l'immigration serait un facteur d'innovation, ça reste aussi à démontrer. On pourrait dire au contraire qu'à partir du moment où il y a une main-d'œuvre très très bon marché qui peut être utilisée presque comme des esclaves du XXIe siècle, eh bien on ne va pas faire les travaux de recherche et développement nécessaires pour trouver des machines se substituant à ce travail humain dont les prix sont bradés. Je lis toujours dans ce pacte de Marrakech l'idée selon laquelle il y aurait une nécessité, l'immigration favoriserait une meilleure gouvernance pour permettre d'optimiser les effets, tous ces effets positifs. Meilleure gouvernance pour optimiser les effets positifs ? Je suis désolé, mais quand on lit ce pacte, on a effectivement l'impression, c'est même plus qu'une impression, que c'est un document qui se situe dans un contexte idéologique particulier, celui de la mondialisation, celui de l'effacement des frontières, celui selon lequel finalement les mains d'œuvre, les hommes et les femmes sont de simples pions à exploiter, à transférer d'un pays à un autre pour les exploiter au maximum pour le plus grand profit des actionnaires. On ne tient pas compte ou peu compte du problème tout simplement de l'identité nationale, de la volonté des peuples d'être toujours. Que l'Allemagne reste l'Allemagne, que la France reste la France, que la Russie reste la Russie, etc. Donc je sais bien que ce sont des choses qui paraissent comme absolument scandaleuses pour certains docteurs de la pensée contemporaine. En gros, tous les peuples, grosso modo, réagissent comme ça. Ça n'est pas du tout être xénophobe et raciste que de le dire. Il est normal qu'un pays comme par exemple la France, où il y a actuellement au minimum plus de 3,5 à 4 millions de chômeurs, et encore en se limitant à la seule catégorie A, dans un pays comme la France où le niveau de vie ne cesse de dégringoler, il est assez normal que les Français aient un sentiment que de dire c'est pas maintenant que l'on va accueillir de nouveau des flux migratoires importants. D'ailleurs, il y a, d'après les sondages, je crois que c'est 80% de la population française qui est sur cette longueur d'onde. Et encore une fois, je rappelle que pour la Constitution et pour la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il faut donc demander au peuple français son avis. Alors moi, ce que je note, c'est que ce document qui doit être signé à Marrakech a fait l'objet d'une polémique qui ne cesse de se développer. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un, puis deux, puis trois, puis quatre, etc., pays, et non des moindres, qui ont décidé, au vu du document, finalement de ne pas le signer, au premier rang desquels les États-Unis d'Amérique. Alors certains vont dire « Ah oui, mais c'est les États-Unis de Trump ». Oui, mais quand même, les États-Unis d'Amérique se sont retirés, ne signeront pas ce document. Et puis en Europe, dans l'Union européenne, la Hongrie. Alors je vois d'ici des gens qui disent « Ah oui, mais c'est le gouvernement hongrois ». Bon, qui a mauvaise presse. Et puis après ça, il y a l'Italie. Alors toujours, les gens vont dire « Ah oui, mais c'est le gouvernement Salvini ». Et puis après ça, il y a la Bulgarie. Alors les gens, déjà, ne savent plus très bien, parce que bon, il paraît-il que M. Macron est allé en Bulgarie. Il trouve ça très très bien. Il s'est entretenu avec M. Borisov, là, le Premier ministre. Bon. Et puis il y a la Slovaquie, qui a refusé de signer. Et puis voici que c'est la République tchèque qui refuse de signer. Et puis voici que c'est la Pologne. Et puis que c'est l'Autriche. Et puis que c'est la Belgique. Et puis que c'est, en dehors de l'Union européenne, que c'est Israël qui a refusé de signer.
qui refuse de signer. Et puis l'Australie. Donc maintenant, il commence à y avoir... La Suisse, paraît-il, serait même au bord de refuser de signer. Donc maintenant, on a 12, 13, 14 pays, la liste s'allonge, de pays qui refusent de signer ce document en l'état parce qu'ils estiment qu'il véhicule une pensée idéologique et géopolitique qu'il n'a pas à être imposée par l'Organisation des Nations Unies, même si dans le texte, on trouve l'idée que chaque pays reste souverain et ci et ça, parce que dans tout ce genre de texte, on trouve toujours des choses qui disent une chose et son contraire. Mais l'essentiel, c'est l'existence même de ce texte et l'esprit général qu'il imposerait, puisqu'une fois qu'un pays aurait signé puis ratifié, on pourrait lui dire « Mais attendez, vous êtes d'accord sur le fait qu'il doit y avoir une gouvernance générale au niveau mondial pour organiser des migrations surordonnées et régulières. » Alors... La foudre. OK. Il y en a qui se battent pour défendre la migration. Moi, je pense que la migration saigne notre continent. Et que notre peuple, c'est quelque chose que je dis tout le temps quand je suis au contact des miens dans les villages ou dans les grandes capitales en Afrique, francophone même, dans la diaspora, je dis que mieux vaut risquer nos vies sur le continent, comme nous on essaye de le faire, que risquer sa vie pour traverser la Méditerranée et finir esclave dans le sud de l'Italie. Et moi je me bats pour ça, pour que les nôtres restent sur le continent. On a beaucoup de campagnes de sensibilisation sur ce terrain-là. On a déjà été saignés par l'esclavage, on a été saignés par la colonisation, parce qu'il y avait des traîtres aussi chez nous qui ont contribué à ça, disons-le clairement. Et bien pour moi, aujourd'hui, c'est de l'esclavage moderne. C'est-à-dire qu'il y a les multinationales occidentales qui se mettent d'accord avec les oligarchies chez nous, d'accord, et qui prennent de la même façon, sauf que cette fois-ci, ça donne une sensation de volontariat, mais le loupen prolétariat de chez nous, pour qu'il aille travailler en Occident. Ça crée quoi ? Des tensions communautaires, parce que les nôtres, lorsqu'ils viennent avec un autre schéma civilisationnel chez vous, déjà, dans vos pays, il n'y a pas de boulot pour les populations autochtones. D'autres viennent pour ceux qui vont connaître l'Eldorado, ils connaissent l'enfer. Il y a des tensions qui peuvent être évitables et qui ne sont présentes que parce que l'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine sont en concubinage pour justement se faire le maximum de blé. L'Aquarius, c'est un bateau qui vient sauver des gens. C'est bien, c'est pas bien. Qui vient sauver ? C'est qui dit sauver ? Bah, ils sont en train de boire la tasse quand même. Non, le sauvetage ne se situe pas là. Le sauvetage est situé sur le terrain de la justice sociale. La question, c'est pas parce qu'ils sont dans la mer, des Babtous qui se donnent bonne conscience, qui viennent te dire « Allez, je viens te sauver, Mamadou, t'es en train de te noyer, viens, je vais te donner le bonheur là-bas. » C'est un petit peu comme l'Arche de Zoé qui venait kidnapper des enfants, qui disait « On vient sauver des enfants. » Moi, l'Aquarius, je vais te dire clairement les choses, j'en ai strictement rien à foutre. Ok ? Comme ça, ça te permet de comprendre ce que je pense. Le vrai problème, si l'Aquarius veut aider les Africains, qu'ils nous soutiennent dans notre démarche d'autodétermination vis-à-vis du néocolonialisme occidental, du néocolonialisme français et vis-à-vis des criminels que sont nos présidents à la tête de nos États. C'est ça que l'Aquarius devrait faire pour nous aider. Pas prendre ces gens et les ramener ailleurs que chez eux, alors qu'ils peuvent contribuer à nous permettre de nous enraciner et de lutter solidement comme nous on le fait sur le continent africain. Donc moi, désolé pour ce discours politiquement incorrect, mais là où l'Aquarius, j'en ai strictement rien à cirer. Et il charme la bien-pensance française ou occidentale, mais j'en ai rien à foutre, moi, de l'Aquarius, très clairement. Il veut simplement sauver des gens. Non, qui sauve déjà les leurs. Il y a beaucoup d'SDF en France. Je comprends pas pourquoi l'Aquarius n'essaie pas de sauver déjà les SDF français qui meurent en hiver sous moins 5 degrés. Je suis avec Patrick Le Fur, conseiller régional de Bretagne et responsable départemental du Rassemblement National dans le Finistère. Car effectivement, nous sommes dans le Finistère, à Arzanau, devant l'ancienne gendarmerie qui est juste derrière nous. Cette gendarmerie, elle a fermé le 1er août, il y a quelques semaines. Évidemment, l'État se désengage dans nos campagnes, abandonne les populations de plus en plus, ferme des gendarmeries. Mais cette gendarmerie ne va pas rester longtemps vide. En effet, nous venons d'apprendre que le préfet du Finistère a décidé d'installer ici, dans quelques jours, des dizaines d'immigrés clandestins. Oui, je dis bien, des dizaines d'immigrés clandestins. Ce ne seront même pas des demandeurs d'asile. Ce ne sont pas des mineurs isolés accompagnés, vous savez, ces faux mineurs qui permettent aux clandestins de se faire régulariser. Non, ce sont des immigrés clandestins. Et ici, on va faire des travaux, bien évidemment, pour les accueillir. Parce que les gendarmes, eux, pouvaient se satisfaire de ces logements. Mais pour les immigrés clandestins, il faut refaire les peintures, il faut refaire l'ameublement, etc. Oui, ces immigrés clandestins, avec votre argent, avec notre argent, vont être logés ici. Vont être nourris, vont être soignés,
On traite distrait également. Des bus vont venir tous les matins vers 9h, 10h pour aller les emmener au bord de la mer, au Mont-Saint-Michel, à Disneyland. Bref, ils vont bénéficier d'avantages que n'ont plus les Bretons et les Français qui vivent sur ces territoires. L'État nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Effectivement, il nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour la police. Il n'y a plus d'argent pour la gendarmerie. Il n'y a plus d'argent pour les EHPAD. Il n'y a plus d'argent pour nos petits retraités. Il n'y a plus d'argent pour aider nos agriculteurs. Par contre, de l'argent, il y en a beaucoup pour installer partout chez nous, dans nos villages, ici, en Bretagne, dans le Finistère, pour installer des immigrés entrés clandestinement en France. Chers amis, nous sommes face à un véritable scandale qui doit provoquer la colère des Français. La colère parce que c'est une injustice sociale de privilégier des étrangers entrés irrégulièrement en France à ses propres compatriotes. C'est l'État qui fait cela, dans un silence absolu, avec une dans un silence absolu de la classe politique, voire même avec une complicité de cette classe politique. Seul le Rassemblement national de Marine Le Pen combat cette folle, folle politique d'imposer dans nos villages des immigrés. Alors on nous dit, ce seront uniquement des jeunes hommes. Tiens, tiens, des jeunes hommes. Mais on pensait qu'ils fuyaient la guerre. Nous, on a dans notre histoire malheureusement des souvenirs tristes. Quand on fuit la guerre, on emmène sa femme et ses enfants. Non, apparemment, les femmes et les enfants seraient restés dans la guerre. Il n'y a que des jeunes hommes. On se moque de nous. On se moque des Français avec leur argent. Ce scandale doit cesser. C'est pourquoi nous sommes ici à Arzano aujourd'hui pour dire non à monsieur le préfet, non à l'État, non à cette classe politique qui est complice de l'installation de ces immigrés clandestins au cœur de nos plus beaux villages de Bretagne et de France.